Vous n'y pensez même pas. Vous n'y pensez même pas. Ben, il fallait des besoins pour y arriver, pour y parvenir. Besoin d'abord les églises, l'État. Il fallait perpétuer l'existence de l'État. Mais pour perpétuer l'existence de l'Église, de l'État, il fallait des supports. Mais plus encore, il fallait comptabiliser les tribus. Aujourd'hui, on parle de taxes. Mais au sein de la société sumérienne, pour habituer à Jésus-Christ, on parlait de tribus. Il fallait apporter quand même, parce que l'État se constituait des plus forts physiquement, vous voyez, capable de défendre la cité. Et puis, il fallait payer pour entretenir l'association, l'organisation, cette organisation étatique. Les figures de proue physique. Aujourd'hui, on paie pour les sénateurs, on paie pour des taxes pour le président, on paie des taxes pour le professeur qui travaille à l'université d'État. Mais avant, il fallait payer pour des services sociaux, notamment de défense sociale. Il fallait des supports quand même. Comment comptabiliser? Comment compter cette tribu? 1, 2, 3, 4. C'est aujourd'hui, vous avez les 4. Bon, c'est 4 éléments avec un symbole mathématique. Mais avant, il fallait tout simplement l'image. Vous voyez? Il fallait l'objet. Il fallait des objets pour représenter ce symbole. On n'y pensait même pas 4 comme chiffre aujourd'hui. 1, 2, avec les doigts de la main, avec les cailloux, d'où les calculs. Les calculs, parmi les 300, c'est du temps. Quand il voit ça, c'est l'heure de l'invention du pictogramme. Mais avant même, tous les processus, quand même. Processus qui vont mener à l'invention de l'écriture. Parce qu'il y a l'image. S'il y a l'image, il y a pensée. Nécessairement, on va traduire ces images. Comment on va présenter ces images à partir des symboles? Ça, c'est plus tard. D'abord, il fallait compter les calculs. Vous voyez? Le calcul, 1, 2, 3, 4. Eh bien, 1, 2, 3, 4, marche, c'est bien. 5, 6, 7, 8. Eh bien, 5, 6, 7, 8, tribu. Eh bien, c'est bien. Plus vrai encore, le berger qui devait compter le soir, le nombre exact, la quantité exacte. Le nombre exact de la quantité de têtes de bétail sorties le matin, il devait compter le soir pour les faire entrer. Étudiants. De bétail sortis le matin, il fallait les faire rentrer, berger. Il fallait faire rentrer la quantité exacte, le nombre exact de la quantité de têtes de bétail sortis le matin. Et bien, le calcul, il va utiliser des objets. À partir d'un certain nombre, ça devient embarrassant. Mais si cela devient embarrassant, il fallait transporter aussi. Quand on va transporter, les calculs, par exemple, des milliers de calculs en fonction de la quantité de marchandises concernées. Comment les transporter? Ça devient intéressant. Mais d'abord, il fallait trouver un moyen quand même de transporter ces calculs comme première étape de l'invention de l'écriture. D'où l'invention des bulles d'argile, les bulles d'argile, les poteries rondes, faites d'argile. Vous voyez? Vous versez à la surface intérieure ces calculs-là, ou ces encoches. Susceptible de permettre au destinataire de compter, de vérifier le nombre de marchandises envoyées. Que fait le destinateur? Le destinateur utilise les calculs à l'intérieur de ses états, à l'intérieur des bulles d'argile, pour permettre au destinataire, terre, de vérifier, de contrôler. Vous voyez, en cas de contestation, on a un bon moyen quand même. Ça résout des problèmes, hein? Ça suscite également des problèmes. Il y a toujours des problèmes. On cherche éternellement la perfection des choses. D'où le sens de l'évolution de la science. D'où le sens du mot chercheur. Parce qu'on recherche éternellement. Devenu embarrassant, on devait
On est un peu obligé de remplacer les calculs par d'autres systèmes de construction de savon. Le savon est dans les dangers. Voyez, j'ai dit bien qu'à partir de milliers de calculs, ça devient difficile de transporter. Le transport devient difficile. Il fallait autre moyen de tout. Déjà, les ressources de l'écriture, parce qu'il fallait finalement remplacer ces quantités par des images ou ces objets, disons. Des images sur la tablette d'Angile, encore en mal, à partir d'un calame. Deux types de calame. Mais d'abord, c'est le calame à sec. Le calame à sec, c'est le plus utilisé, vous voyez, d'où l'écriture cunéiforme. Susceptible de représenter la quantité de calculi embarrassant pour l'eau. Pour l'eau, pour être transporté, eh bien, on utilise un puisqu'on n'avait pas encore de support. Vous voyez l'idée du livre déjà, oui. L'idée de l'écriture déjà, avant même le livre. Il fallait utiliser des clous. On appelait ça calame, à sec. Sur les tablettes en molle pour écrire les images. Déjà des symboles. Vous voyez, représentant la quantité de marchandises expédiées. Et vérifiable en cas de contestation. Et bien encore, suivant la quantité d'images. À représenter sur les tablettes d'Angile, ça devient embarrassant encore. Suivant cette image à représenter. Embarrassant, c'est pour nous, dans les tablettes d'Angile, avec de l'Angile, c'est déjà l'idée déjà. De l'Angile. Très lourd. Il fallait trouver des moyens plus légers pour transporter, pour transmettre des informations, pour conserver les informations, pour conserver le pouvoir en parlant de l'Église et de l'État. Pour payer, pour compter les tribus, pour envoyer des marchandises. Et bien, il fallait passer au bois, pour l'idée du livre, voyez, libelle, le corps intérieur, les ordres, la définition, la signe du livre, du latin libelle, le corps intérieur, les ordres, voyez, c'est le bois, la raison pour laquelle il y a le débat avec l'épopée de Gilgamesh, 2000. 2330, je crois. C'est pas je crois, 2330. Des auteurs, le grand 10 comme premier livre, ou d'autres auteurs disent non, en fonction, en référence à la définition du livre, on ne peut pas tenir pour premier livre le prophète de Gilgamesh. Ce sont des tablettes de bois façonnées. Ce sont des bois façonnées, tablettes à écrire, premier livre. Aux environs de 3000, déjà parce qu'on parle de l'image, de la création, de l'invention, du pictogramme, vous voyez, l'image sur le bois, en Égypte aussi. Depuis 2600, vous voyez, oui, pour le calcul, calculatrice, vous voyez, pour le calcul, on utilisait des objets matériels, les calculs. Ça peut être le caillou, vous voyez, caillou, le calcul. Car là, qui sont nous, est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, sur le bois, on pourrait dire, vous deux, la science, c'est d'abord l'observation. L'observation des phénomènes, l'observation des problèmes. Pour la science, par exemple, je constate, je observe. Des faits sociaux. Des faits sociaux, eh bien, en fonction duquel j'ai même une hypothèse. C'est l'hypothèse que je vais vérifier lors des débats dans mon sujet, dans l'élaboration de ce sujet. Je vais vérifier si l'hypothèse est correcte. Je l'affirme ou l'infirmer. Ou je l'affirme ou bien je l'infirme. C'est l'hypothèse, vous voyez. Pour voir si c'est ça tient encore. Vous l'affirmez en conclusion. Vous voyez? Sinon, on l'infirme. Voilà, eh bien, au troisième millénaire, quatrième millénaire avant Jésus-Christ, aussi, on n'avait pas cette capacité d'observation, mais en quelque sorte, il s'agissait de l'observation du problème. Vous voyez? Il fallait résoudre des problèmes. Et puis, on expérimentait l'expérimentation de la science aujourd'hui. Aujourd'hui, même au laboratoire. On expérimente sur les terrains, etc.
Il n'y avait pas ça, non, avant. Vous voyez? C'était des points primordiaux de la manche même, de la science. Et c'est là. Et puis 2600 avant Jésus-Christ, il fallait penser image. Vous voyez? Pictogramme d'abord. Pictogramme 3300. Non, 3000, pardon. Pictogramme 3300. Et puis 2600, c'est l'invention de l'idéogramme. Parce que même pour les images, comment représenter les images de quelques milliers de formations, de quelques milliers, comme je vais le dire, de formations. Ça devient embarrassant quand même. Vous avez les mots, vous pouvez voir, homme, c'est déjà, ça facilite déjà, c'est déjà trop pratique même. Ça devient beaucoup plus pratique. Homme, il fallait se mettre d'accord finalement. Homme en image, ça prend trop de place. Et il vit déjà sur les tablettes d'argile, voire façonner une tablette à écrire. C'est pas une tablette d'argile, c'est pour certains auteurs, mais pour d'autres, c'est parti du bois. Notamment en Égypte, on commençait déjà depuis 2800 à façonner des bois pour y placer des images. Vous voyez? Déjà, il y avait une progression pour parvenir à ça aujourd'hui.